Je m'appelle Yves Freneau et pendant 20 ans, j'ai travaillé dans les îles australes françaises, les îles Kerguelen, Crozet, Amsterdam, pour étudier l'impact des changements climatiques sur la biodiversité de ces régions. Ça tient à des raisons historiques. Les premières expéditions, les premiers hivernages étaient surtout constitués d'hommes. C'était une activité essentiellement masculine. Et puis, dans les années 90, ces hivernages ont été ouverts aux femmes, en particulier dans les stations françaises. La première femme a hiverné en 1995 à Kerguelen. Et puis, petit à petit, leur nombre a augmenté. Mais on reste toujours à un nombre beaucoup plus réduit que le nombre d'hommes. Et ça, pour une raison qui est assez facile à comprendre, c'est que chez les personnels scientifiques, on a à peu près le même nombre d'hommes et de femmes, mais en revanche, chez les logisticiens, les gens qui font tourner la base, ce sont souvent des gens qui sont détachés de l'armée, donc déjà qui proviennent d'un milieu où le sexe ratio n'est pas équilibré. C'est probablement la raison qui explique pourquoi on observe toujours ce déséquilibre, alors que sur d'autres stations en Antarctique, chez les Américains par exemple, on a un sexe ratio beaucoup plus équilibré.